À gauche, des joueurs semi-pro, seul le gardien international, Rasmussen, gagne 600 000 francs par an, une performance au Danemark. Le match va commencer de manière très précautionneuse pour les Danois. Dès qu'ils ont le ballon dans leurs 40 mètres, ils l'expédient systématiquement au gardien. C'est irritant, mais il faut croire qu'ils ont peur. The name of Barcelona always has got a lot of respect for the opponent, which means that they won't take too many risks, and that's why we play the way we play. Et c'est vrai, Barcelone va étinceler. Pour l'heure, ce sont les joueurs d'Aarhus, par l'intermédiaire de l'international Christensen et Mortensen, qui s'activent sur le but. Mais les Barcelonais sont à la mi-championnat en Espagne, ils sont donc en pleine forme et récupèrent à l'énergie beaucoup de ballons par Seinas et Baquero. Et hop, un petit coup de majorette pour se désennuyer à la mi-temps. Et à la reprise, les Espagnols mettent 10 minutes à reprendre le bon rythme et le garderont jusqu'au bout. Lineker part seul au but, mais il tire mal sur la pression du gardien. Les joueurs d'Aarhus croiront s'interposer sur ce tir de Lineker, mais pas de chance pour eux, Salinas est tout en jambes. Y croit. Recentre pour Lineker et cette fois-ci c'est le but, l'unique de la partie. Beguiristain est entré en cours de partie, il fixe Rasmussen, surveillez Lineker qui s'intercale hors jeu et marquera, mais le but sera immédiatement refusé par l'arbitre. Dernière contre-attaque énergique de Beguiristain, Rasmussen se jette sur Lineker, score final 0-1 et moindre mal. La tension retombe, on se croirait après un petit match de province, la vie continue. It's a little bit better than we are, and they're in the middle of the tournament, we are not started yet. We have no more points in our legs, and they are still going strong. And I say that the last 20 minutes, they were the best team. Le lendemain matin, à 8h30 comme tous les matins, John se rend au boulot. Il travaille dans une entreprise internationale de transport maritime, une matinée pour remettre les pieds sur terre. I think that Denmark has put themselves up to what I will call top of the second division, and Barcelona is the top of the first division in Europe. À 14h, John Stamp quitte le bureau, avale un repas et arrive en retard à l'entraînement. Le parc automobile du club ressemble à celui des Girondins de Bordeaux. Si on n'a pas d'argent,